Bonjour toi. Oui, toi. Toi qui vois Noël approcher à grands pas et qui n'a pas encore pensé à faire la fatidique liste pour le grand papa Noël, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui, dans ce numéro consacré aux sorties du mois de novembre, que dois-tu absolument voir dans les salles ? Thelma. Le cinéma de genre est difficile à investir. Je ne cesse de le répéter depuis un bon moment sur cette chaîne. Et c'est en cela que l'on doit être à la fois indulgent, mais en même temps sec avec ce cinéma, en ne cédant pas aux facilités et en cherchant les petites perles. Il est clair que même si sa sortie incitait un certain intérêt, il était impossible de deviner que Joachim Trier allait faire de son quatrième long métrage un instant de cinéma aussi juste en termes de genre et aussi intense en ce qui concerne la construction de ses étapes et de sa moelle dramatique. Trier est un cinéaste qui vient du monde du drame, et même si celui-ci a toujours été étroitement relié au cinéma de genre, il réussit à totalement se renouveler au travers de ce film en proposant un divertissement fou et ambitieux. De par un travail de l'immersion, de la sensation, de l'émotion à fleur de peau, le cinéaste norvégien propose une vraie immersion cinématographique. La sensation de voir se mettre en place devant nous un film dense, immense même par instant, qui prend son temps avec ses personnages et qui développe ses situations. C'est cela qui est important et même qui parvient à transcender le spectateur de par son brio. C'est la maestria avec laquelle Trier parvient à faire de son récit et de ses personnages un objet de compréhension et d'interrogation à la fois, développant et perturbant dans le même temps l'immersion du spectateur et les sensations qui vont en découdre. Bien au-delà de simplement livrer une œuvre viscérale et intense, Trier donne lieu à un métrage qui parvient à toucher l'émotion du spectateur de manière fulgurante en transcendant son immersion et son empathie la plus profonde. L'épouvante prend de nombreux visages, de nombreuses formes et développe de nombreuses manières de faire peur au spectateur. Et ici, il est clair que cette peur prend son temps, que Trier veut la laisser prendre possession du cadre afin de la rendre violente, acerbe, glauque et profondément cathartique pour le spectateur. Bien loin des archétypes américains, mais en même temps plus subtil que le cinéma d'épouvante anglais et bien plus intime que celui espagnol, Joachim Trier rend son film singulier, en fait un film de genre nouveau, un film qui fera certainement date à la hauteur des gros aficionados et des passionnés de genre hors normes. Vous l'aurez compris donc, foncez voir Thelma. C'est une œuvre belle, émouvante, forte et intense, qui parvient à offrir un cinéma de genre neuf, tout en rendant hommage aux origines de celui-ci, et à la base qui fait sa force, la complexité de son propos.